Ben, finalement, les mentalités sont assez similaires à celles du Nord. Voilà, après, les Belges ont leur caractère, mais je trouve qu'il y a une proximité avec les gens qui est très sympathique. Et voilà, les gens vous donnent tout très facilement. Et quand je suis arrivé, je sais que j'ai été très apprécié et relativement mis rapidement dans le bain. Je sais que c'est une région qui a souffert un peu au niveau social aussi, comme à Valenciennes. Et voilà, donc c'est ces choses-là qui m'ont fait aimer encore un peu plus le club. Le foot change, on va dire qu'il évolue. Les mentalités évoluent, mais... Tu as dû t'adapter beaucoup au fil de ta carrière? Beaucoup non, mais on apprend ces derniers temps aussi avec les réseaux sociaux. Voilà, c'est des choses que j'ai apprises sur les dernières années. Mais finalement, le football en lui-même reste un sport à pratiquer par tout le monde. Tant qu'on a la passion, finalement, ça reste similaire. Si tu avais le jeune Nicolas Pento en face de toi en tout début de carrière, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil pour durer ou peut-être pour changer, aller plus haut encore? Pas grand-chose. Je pense qu'après, il faut un peu de chance pour faire basculer une carrière. Je suis très fier de ma carrière, de ce que j'ai fait. J'ai toujours eu l'ambition d'aller le plus haut possible. Quand je vois des matchs de Ligue des Champions, on a toujours envie d'y être. Mais voilà, je lui dirais peut-être de se concentrer totalement sur la progression, sur l'aspect physique aussi. J'ai mis du temps à me mettre sur des préventions d'avant-entraînement, sur la progression aussi au niveau musculaire. Voilà, donc c'est des choses que j'ai apprises et que je donnerai conseil au nouveau Pento. Il n'y a pas une chose que tu aurais changé dans ta vie d'homme ou de joueur sur cette longue période? Non, parce que ce soit les échecs ou les bons moments, ça fait partie de ma vie et j'ai aimé ça et j'aime ça. Donc finalement, j'ai rien à changer et j'accepte les défauts comme les bons moments.